Ajouter la France, poussée au cinquième match par la Belgique, s'est offert sa 10e Coupe Davis grâce à la victoire de Lucas Pouille devant Steve Darsas, 6-3, 6-1 et 6-0, dimanche à Villeneuve-d'Ac. Avec ce succès 3-2, les Français mettent fin à une série de 3 défaites consécutives en finale, 2002, 2010, 2014, et remettent la main sur le saladier d'Argent pour la première fois depuis 16 ans. Dimanche dans l'ébullition du stade Pierre-Mauroy, tout s'est donc achevé sur une victoire logique de Pouille, 23 ans, 18e mondial, face au vétéran d'Arsas, 33 ans, 76e mondial. Le jeune nordiste, supérieur en puissance, n'a pas tremblé et a mis fin à la belle série de Monsieur Coupe Davis, surnommé ainsi en Belgique pour son efficacité, jusque-là totale, lors des 5e matchs décisifs, 5 victoires. Pouille a bien géré la pression de ce dernier match et a dominé son adversaire dans tous les compartiments du jeu, lui mettant une grosse pression d'entrée. Il a empilé 12 jeux d'affilée entre dans les 2e et 3e manches. Quelques heures plus tôt, le numéro 1 français Joe Wilfried Tsonga avait cédé en 3 manches contre le leader belge David Goffin après une première manche de haute volée, 7-6, 7-5e, 6-3 et 6-2. Le récent finaliste du Masters avait remis les deux équipes à égalité, mais Darsas n'a pas réussi à enchaîner. La Belgique devra, elle, patienter encore au moins 1 an pour s'offrir son premier saladier d'Argent. C'est son 3e échec en finale, le 2e en 3 ans après la défaite à Gand en 2015 face à la Grande-Bretagne d'Andy Murray.